Salut à tous les amis, c'est Popitox. J'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 5 de Battlefield 5. Et aujourd'hui, nous allons faire l'histoire de Nordli, 1953, Norvège. 1943, ça fait 3 ans que la Norvège est occupée et qu'elle ne connaît plus la paix. Rejoignez la résistance à la recherche d'un de ses membres disparus. On va jouer facile, hein, parce que c'est bon. Hein. Lors du dernier épisode, ça m'a tué. Hein. Durkan, Norvège, printemps 1943. Alors que la guerre fait rage dans le monde entier, l'Europe occidentale est engloutie par l'ombre de la croix gammée. L'Allemagne déploie 400 000 soldats de Wehrmacht afin de sécuriser le front nord pour dominer la Norvège et ses 3 millions d'habitants. Les ports de la Kriegsmarine, les bases aériennes, la Luftwaffe couvrent la côte glaciale de la Norvège. La population locale est placée la surveillance. Sous la surveillance de la Gestapo. Les libertés sont restreintes, des gens disparaissent, les voix dissidents sont réduites au silence. À promis. Tout le monde subit l'occupation. Mais la guerre n'est pas encore finie. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Et à des monstres ni skogen. Vor 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant.
Folket ditt skaper et monster. Her, i denne bygningen, fatter du? Bon, trouver les membres du Ferru de la Résistance. Hop. Bon. Là, y a rien. Fini le forut. Des ennemis droit devant. Bon. Voilà. C'est bon. Ja, bon. Discrètement. Sagen wir doch einen auch, wir kommen um zu sterben.
Faire attention. Il est où cet enculé d'Allemand? Voilà. Eh bon. Merde. Voilà. Le car. Ok, et ça c'est la MP40. C'est quoi ça? Bon, non, on va là-bas. Il y en a des Allemands. Je vais m'occuper un par un. Ah.
da jemand? Nichts! Noch nichts! Es war hier. Voilà, un de moins. Voilà. Voilà. Eh bon. Voilà. Ça, c'est fait. Il est pratique cette arme, hein, j'aime bien. Oh putain. Allez, je me soigne. Thank you.
Aïe 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 aïe. Voilà. C'est bon. Voilà. Voilà. Eh bon. Voilà. Voilà. Oh, had to find Natasha. Pas grave, on va monter. Par là. Ouais, c'est par là.
gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Ok. Kom igjen, følg meg. Protege Astrid. Hva har skjedd? Skal du deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Je te suis. C'est bon? Tant mieux. Je te suis. Ok. Voilà. Saboter. En haut.
Putain, je vise comme un con. Bon. Voilà. Saboter, allez. Point de rendez-vous. Rejoignez le pont. Voilà. Et bon. On avance. Par là-bas. Allez, vite. Putain. Voilà. On va vers le pont. C'est bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sänk våpnen!
kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Det er ikke kommando. Det er dotter mi. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Bon. Livrer la sacoche et la boîte aux lettres mortes. Ok, du coup les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Battlefield 5. Bisous les amis.